quelque part. Cotonou direct. Bon, Adjao déjà en route pour Cotonou. Raimondo et Zalaka Pointe. Adja. Christophe. Mannequin. Oui, mannequin. Voilà. George, mannequin. Le grand Claudio. Le Claudio. Robra PC. Eh, Binyankea. Nya me koke kele hwa me ya. Nya ba gbe ame ke ba lo me bele ya. Fike ya le la ti kuro nya tafa. Nya o nti bele ro. Voilà. Frontière. Ben a vu wa kla bolo so lon konam. O so kla ndoro. Frontière. Ça ça bosse doy. Le veut bene alo le ko. A quoi de bosse ça bosse. Mais c'est à le mode me. Baba ke ro ga e ya. Baba ke lo ga ve nya e ya. Voilà, nouveau départ. Frontière Lomé Cotonou, direction Cotonou. Voilà le nouveau départ. Nous sommes déjà de l'autre côté de la frontière. Voilà, en famille. Boubé Djoumé, que sinon nous y est. Ameda Dalame, Boubé Djoumé, que sinon nous y est. Amedada le dengo do adema ona metoe mi amu solo me vale ikotonu mato pa u mado gina dadanye tagende de dometo ma une yrawolo amen tagende de dometo ma une ko fafara gbejina o mate mate ola che amen agbo ma hu ma hu ola hu sanu ko jala be me na o si noto yela amen et ça c'est ma sœur on blague pas tokos merci. Sand Beach Hotel. Sand Beach Hotel, voilà, déjà l'arrivée. Yeah. L'équipe est au complet. Ouais. Voilà. 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 Souffrez de la façade. Voilà. Souffrez de la façade. Sand Beach. Ça sale. Po. Ça va péter, c'est dans quelques minutes. Les mélodies belle. Vont sortir. Déjà c'est quoi ça, oh? Sun Beach Hotel. Voilà, Sun Beach. Sun Beach. D'accord. Et la côte. Voilà. Sun Beach. Sand Beach Hotel, voilà. Je suis arrivé. Voilà. Je suis arrivé. Et ça, la capointe. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Pour les canyons, nous c'est qu'il faut. Et nous les dînons, chérie. Ça vaut ma même là. Je n'ai pas si bien, mais là, non. Voilà, Sand Beach Hotel, c'est dans quelques minutes. Ça va démarrer, ça va barder eh, le salon de la grande exposition. Lutte impériale. Pour la réussite, allons l'arracher. Arrêtez de me faire quitter actuellement les côtés. Nous sommes huit hommes de la marraine. Ça va bien. Bien, ça s'est bien passé. Voilà.
Michael,
je ne connais pas le nom, mais bon. Sonia, d'accord. Elle a si bien dit, elle a tellement présenté nos bilans que bon, je me garderai volontiers de ne pas de ne plus parler de mon bilan, de nos bilans, et je pense que dès à présent, elle sera l'une des ambassadrices de la société. Merci. C'est un réel plaisir pour moi d'être présent ici ce soir avec ma société Nobila Assurance dans le cadre de ce salon, comme je l'ai dit tantôt, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Vous savez que tout c'est aujourd'hui pour le développement, c'est l'entrepreneuriat et le développement de cet aspect. M'accompagner dans cette aventure au Bénin, j'ai pris quand même le risque. Voilà, je ne suis pas 100% béninoise, donc je dis je viens quand même au Bénin et je vais apporter cette nouvelle idée. Et puis je me suis fait accompagner par Nobila, la prestigieuse Nobila Assurance, qui a bien voulu sponsoriser ce salon. Et je souhaite que ça continue. Et que l'année prochaine, ce soit plus que... Elsa Lakapointe. Voilà, voilà. Depuis, je n'avais pas bien mangé. Voilà. Allez, nous allons t'accueillir une fois encore parce qu'on a adoré ton son tout à l'heure. Merci. Voilà. Vous savez, chez moi, on dit... Vous savez quoi? Nous allons faire de l'ovation comme si c'était 1 milliard de personnes ici. On applaudit pour nous-mêmes. Voilà, Dibri. Et merci. Maintenant, je vais présenter mon concepteur. Ekome. Sans plus tarder. DJ. Ekome. Voilà. Et pour
Bang, bang, bang.
Amen. Et moi, c'était un objectif que j'avais. Mais ma page Facebook, c'est la valorisation des stylistes africains. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu que bon, on a le même objectif, on a la même vision. Donc je me suis dit, tiens, c'est une brave dame. Merci. Et nous avons notre styliste Patouze qui est venue, quand même elle a répondu à l'invitation, elle est venue de Paris. Et vous avez vu sa touche tout à l'heure, une touche très particulière. C'est une créatrice qui travaille à Paris. Je suis partie de Cotonou il y a très longtemps, une quarantaine d'années, et j'ai fait le choix de travailler dans la mode. Et je me dis aujourd'hui que c'est un réel plaisir de rentrer à Cotonou et d'apporter mon savoir, de le transmettre à la génération future. Et fortuitement, j'ai rencontré Eyal une fois à Cotonou et une deuxième fois à Abidjan, à l'aéroport. On a voyagé ensemble et on a décidé, elle m'a proposé de faire un petit défilé, de montrer un petit peu ce que je sais faire. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté. Et c'est un réel plaisir d'être là avec vous ce soir. Et Eliane, je te remercie. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu ce qu'on voulait, mais c'est bien aussi de réussir. Parce que ça nous permet de mieux nous améliorer l'année prochaine et les fois à venir. Merci à tous d'être là. La parole de motivation qui va. Donc, moi, j'étais très contente. J'ai sollicité mes sœurs. Et elles ont accepté, franchement, avec une grande bonté. Franchement, j'étais étonnée. Elles se sont déplacées, Patou depuis Paris, et ma sœur depuis Porto Novo. Et franchement, je ne peux que dire merci. Et on va former notre belle équipe de femmes battantes. Moi, j'aime donner de l'importance aux autres. C'est un peu ça mon but. Je me dis, voilà, il faut que tu, quand on est sur la terre, il faut être utile. Donc moi, j'ai choisi cette voie de donner de la valeur à mes soeurs, au prochain. Que ce soit les hommes comme les femmes, il faut donner de l'importance à l'autre et à tout ce qu'elles font. Et j'aime l'amour, j'aime tout ce qui est glamour. Et puis, ben, je donne une vie, en fait, aux articles. Il faut donner une vie à l'amour, à la célébrité. Il faut les célébrer, en fait, tout ça. Voilà, c'est des choses qui n'ont pas de vie, mais nous, on leur donne une vie. C'est un peu ça, mon but. Merci beaucoup encore. Et puis, ben voilà, j'ai mes petites créations aussi. Et ben aujourd'hui, vous avez vu mes mannequins. Et ce n'est que le début. Merci. On va donner du coup la parole à la belle présentatrice pour que le DG puisse dire le mot de la fin. Et moi, je dis merci beaucoup, beaucoup au DG de Nobila. Et je vous invite tous à venir à Nobila vous assurer. Merci encore. Pour la photo de famille, alors nous avons... C'est la première fois. C'est la première édition. Donc, ça c'est à Cotonou. Donc, ça c'est forcément des hommes. Ça c'est le point de départ pour de meilleures éditions. Je pense qu'il y aura une meilleure organisation, une meilleure participation l'année prochaine. Parce que ça date par année ou pas, pas. C'est par année. Par année. Par année, ok. Voilà, ok, d'accord. Donc je pense que c'est bien l'implication de tous. Moi je suis toujours content malgré enfin, que l'objectif ne soit pas atteint cette fois-ci, mais je suis content parce que il faut qu'on écrive l'histoire de l'événement, il faut que ce soit nous qui portions l'événement et que quand ça va réussir les années qui viennent, ce sera une fierté pour nous. Merci à tous. Yeah, girl. Voilà, on nous qui voit. Depuis, on va à l'ombre, on les donne le monde, on va mettre yo, ma fond, on me donne la même chose, je vais comment ça? Yo, 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 yo. Eh,
Ya, même la radio. On l'a loué, mais. Sipi. Sipi, oui. Oh, bon, tu as la porte. Ah, ça, mon amour. Ok, 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 bon. Non, bien que les mots arrêtent. Non, mais Sipi, mais alors tu m'as fait souvent. Ok.